Pas si vous voyez là-bas, il y a un poisson énorme. Au calme, il reste là, il attend. Je crois qu'il attend qu'on se baigne. Ce matin, il m'a dit qu'elle a vu 3 baby sharks qui rôdaient dans les parages. Donc du coup, aujourd'hui, elle a pas trop envie de se baigner. Je crois que moi non plus d'ailleurs. Putain, c'est beau, hein. On va aller se poser sur la plage un peu, ça va changer. Je crois qu'elle cherche des bébés requins. Parce que des gens de l'hôtel lui ont dit que c'était pas du tout dangereux. Du coup, je crois qu'elle prend des risques. Par contre, aujourd'hui, il y a quelques nuages. Je sais pas si vous le voyez. Il y a un baby shark juste là. Donc il y a 5 minutes, on se baignait. Voilà. On se baignait juste là. Voilà, il y a des gens qui se baignent juste là aussi. Au calme. Il est où? Il va arriver par là normalement. Ouais, il est là. Voilà. Il se balade. Tout à l'heure, il était avec ses copains. Les amis, j'ai pas beaucoup snappé aujourd'hui parce que... gros coup de fatigue même. Depuis ce matin, je me sens faible. On a fait ce matin les tests PCR pour pouvoir entrer sur Dubaï. Sachant qu'il y en a un qui est effectué avant de partir de Dubaï. Et pour partir d'ici, ce matin, on a fait un test. Mais depuis ce matin, vraiment, je me sens vraiment KO. Mais KO, comme si mon corps avait 90 ans. J'ai chaud, mais ça va, je transpire pas. Parfois, j'ai des frissons. J'ai une barre ici. Bien évidemment, on s'est posé la question si c'était Covid, pas Covid. Donc, vu qu'on a fait le test ce matin, bon, on va voir les résultats. Mais je pense plus à une insolation, peut-être une intoxication alimentaire. Parce que goût et odorat, j'ai ça, aucun problème. Quand je vais à la selle, ça se passe plutôt bien, si vous voulez des nouvelles. Merci pour l'info. Et du coup, un peu KO, journée. Et ici, le test PCR, ils le font d'abord dans la bouche. Ils vous grattent la glotte avec un coton-tige. Et avec un autre coton-tige, après, tout au fond du nez. Mais je vous explique même pas. Il va loin. Oh là là. C'était horrible. C'était le pire test. Elle a mis 15 minutes à s'en remettre, elle était en pleurs, dépression, ça allait plus du tout. Bref, donc du coup, on attend les résultats. Pour l'instant, je reste dans la chambre, on sait jamais. Hein. Pas prendre de risques. À tes souhaits. Pardon. C'est pas un symptôme, non. Tu sais, à chaque fois, genre, dès qu'il y a un truc, tu regardes symptômes sur Google et tout, tu deviens parano. Donc du coup, aujourd'hui, tu m'as manqué toute l'après-midi, t'as dormi. C'était Netflix, c'est vrai. Hein. J'ai fait que dormir. En tous les cas, on s'est pas mis de barrière parce que quoi qu'il arrive, si c'est Covid, elle a aussi. Non, mais c'est pas le Covid. Mais c'est sur la 90. Donc avant de prévenir l'hôtel, parce que je vous explique, Lille, elle fait... 1 mètre carré. Il doit faire 400 mètres de longueur. Sur 400 mètres de largeur. Ouais. Franchement, elle est toute petite. Et donc, du coup, j'ai pas envie d'alarmer tout l'hôtel, toute l'île. Donc, du coup, je sors pas de l'hôtel. Je reste là parce que sinon, je vais être vu comme une pestiférée parce qu'à tout moment, c'est même pas ça. Donc, on attend les tests. On va te voir. En tout cas, je sais ce que c'est d'être vieux, d'être très vieux. Des courbatures partout. Le bébé s'est très bien occupé de moi, par contre. Ça, c'est vrai. Non, elle me force à manger, elle me donne à boire. Quoi? Là, tu devrais manger du riz. Pour manger. Mais j'ai pas du tout faim. Mais je suis même pas mou, en fait. Faudrait que j'aille pour voir. Bah, va voir. Comme ça, on regarde. Bébé, ça fait pas assez longtemps qu'on est ensemble. Si, ça fait 2 ans. Avant de basculer sur Netflix avec ma chérie, je vais vous parler de Oh My Case. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des coques personnalisables de très très bonne qualité. J'adore. Vraiment. C'est trop bien ce qu'ils font. Il y a aussi les petits grips que vous collez à votre coque directement pour éviter de faire tomber votre téléphone, pour avoir une tenue plus simple de votre téléphone, pour éviter de le faire tomber. Moi, en ce moment, j'ai celle-ci. Voilà, vous pouvez voir, elle est un peu usée. Mais c'est la folie. Voilà. Là, ceux qui ont suivi mes stories, j'avais quelques boutons sur le front, donc je regardais un peu l'état de mes boutons. Mais si pour vous, les filles, pour faire une petite retouche make-up, c'est vraiment pas mal.
Et le grip, c'est vraiment la folie. Je vais le mettre sur cette coque. Vous allez voir, c'est trop, trop bien. Et je vais vous montrer aussi le colis que j'ai reçu à la maison. Comment vous recevez le colis à la maison. C'est parfait pour un cadeau de Noël. Vous allez voir, c'est trop beau. Le packaging de Noël, il est vraiment magnifique. Je vais vous montrer aussi toutes les coques. Deux secondes, très pratique pour ne pas faire tomber son téléphone. Il y a plusieurs, hop, vous pouvez le baisser et le baisser complètement. Ce qui est bien, c'est qu'aussi il est inclinable. Si vous voulez poser votre téléphone sur une table ou un bureau pour regarder une vidéo ou un film, c'est vraiment trop bien. Voilà, c'est une idée de cadeau parfaite pour les fêtes de fin d'année. Voilà, pour immortaliser un souvenir, un moment, que ce soit vos proches, votre famille, votre petit ami, tout. Sinon, vous avez d'autres. Coque super sympa, franchement c'est la folie, j'aime trop moi. Pour moi, que vous faites tomber votre téléphone au moins une fois par jour, je vous conseille vraiment d'utiliser les coques de chez Oh My Case. Elles sont très solides, vraiment ultra résistantes, en plus d'être très mignonnes. Franchement, je vous invite à aller jeter un oeil sur leur site. Il y a pas mal de coques, sans parler de la personnalisation. Il y a vraiment des idées de coques sympas. Allez jeter un oeil, je vais vous donner un code promo qui vous donne accès à moins 40%, c'est un code promo exceptionnel. Il y a la livraison qui est offerte à partir de 19,99€ et vous avez une planche de stickers aussi offerte avec mon code promo. Donc voilà, pour les stickers sur vos accessoires préférés. C'est vraiment le top et je le répète, c'est une idée cadeau super sympa. Voilà. Voilà, pour immortaliser un moment avec un de vos proches, c'est vraiment trop mignon. Je vous mets le code promo dans le prochain snap avec le lien swipe up directement pour atterrir sur le site d'Oh My Case.